On a un autre qui est passé déjà qui doit revenir, donc il devrait partir. Oui, ça oui. C'est moins rare que. Je la contente le dernier moment, au moins l'avoir une fois dans les mains. Avec la carte dans les mains, c'est bon. Ah bah je veux bien, tiens. Ouais, tiens. Ouais, Milo à la bouche. Hop. Comme ça. Je pourrais dire que je ferais comme si j'étais la mienne. Hop, alors attendez, prends un appareil photo. Celui-là, il déconne. Hop. Hop. Pour une fois qu'il y en aurait une. Super, j'aurais eu au moins une fois dans ma main. C'est super, hop, j'ai pris une photo. Merci, hein. Puis bah, bonne vente, hein. Je vous l'aurais pris direct, mais là j'ai plus 100 euros. Ça fait pour moi. On est là toute la journée. Je sais pas si s'il y a encore, bah. S'il y a encore, tant mieux. Sinon, tant pis. Oh. Putain, ça a deux doigts d'acheter là. Est-ce que d'après vous, je la prends ou pas? Est-ce que je la prends ou pas? Elle est à 100 euros. Ah putain, là je suis tenté maintenant. Il faut que j'aille chercher à la banque des sous. Elle est à 100 euros. Ah, je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts. C'est beaucoup. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je laisse choisir. Est-ce que je la prends ou pas? Ok, bon, je la prends. Ok, bah, je vais lui dire de le garder, j'arrive. Vous savez quoi? Je vais la prendre. Vous me la mettez de côté, je vais la vendre de côté, je vais chercher les sous, j'arrive. Okay. Vous me la mettez de côté, j'en ai pour 5 minutes à côté. Merci. J'arrive. Mais j'ai pas regardé, il n'y a pas de numéro. Il y a un grammage. Ok, bah c'est parti. On va pas chercher les sous. Enfin, mais 100 euros, franchement, c'est. Ça vaut le coup. Hein. 100 euros, là. C'est plus que. Mais alors, soit je la revends, ou alors je la donne à mon ami. Et alors là, putain, là, bah. Ah, si je la veux, la grosse shiny, je lui donnerai. Hein. J'avoue, pour 100 euros, ça vaut le coup. Mais ça fait mal au cul, hein, 100 euros. Bah, tu sais comment ça vaut une carte comme ça? Je vais tenter. Je vais quand même tenter, mais bon, ça vaut une carte en coffre shiny, là, j'avoue. J'avoue, ça vaut le coup. Hein. Je sais que même si je la revends, je peux la revendre au moins dans les 600 euros. Excusez-moi, on peut revenir après sans problème, il n'y a pas besoin de passe hein, sanitaire. Affaires, elles sont là. Okay. Ou pas ouais, ah, merci. Mais je suis arrivé trop tard. Il aurait fallu que j'arrive à 6h du matin. Il fallait venir à 6h. À 6h. On va les retrouver dans l'émission. Ouais, il y a de bonnes chances. À la télé aussi. Affaire conclue. Vous faites affaire conclue? Ouais. Ce matin, il fallait arriver à quelle heure? C'était là 6h? 6h, ouais, à peu près 5h30 même. Il y a des bons trucs qui sont sortis? Ouais, bon, moi c'est surtout les jeux vidéo, moi. Après, je pense pas que ça va vous intéresser. Ouais, bon. Mais bon, il y a tout le temps des trucs, hein. Il y a du monde. Ouais, il y a des jeux vidéo qui valent beaucoup d'argent. Ah bah oui, hein. Regardez, là j'ai un bon paquet, là. Ah oui. Là, j'ai acheté un gros truc, là.
une carte Pokémon là, qui vaut cher. Ça fait une belle affaire. Allez, bonne journée, à la prochaine. Ciao. Attends, qui c'est ? On va aller à la banque. Apparemment, c'est quelqu'un de connu, mais je vois qui c'est. Hop là. Et oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savent ça, mais regardez, vous voyez là. Regardez. Regardez bien. Surprise, motherfucker. Personne ne la connaît. Fonctionne. Oh, c'est Racine ça. Si c'est pas Racine ça. Retrait sans ticket. Salut. Bon, je vais pas montrer mon code. 1306. Ah merde, j'ai mon code. Non, je suis pas teubé. Hein. Majorité des billets de 50. Hein, pas fou. Merde. J'ai ma carte. Tim, Tim. Bon. C'est vous qui m'avez chauffé en même temps. Tim, Tim et Milou. Merde, attends. Ils sont tout chauds là, ça brûle. Putain, les billets ils brûlent. Waouh, ça brûle. Ils sont chauds. Là, je regarde même pas où je vais. Voilà. Je vais essayer de négocier, mais bon, je pense que déjà 100 euros, c'est déjà. Honnêtement, c'est déjà une putain d'affaire. Je vais essayer, hein. On va voir. Je vais tenter. Mais honnêtement, c'est même à 100 euros, c'est un putain de bon prix. Ou alors, ça m'étonnerait aussi pas. De toute façon, les masques sont obligatoires, ils vont vous le dire. Hein. Je vais vous le dire. Heureusement, il n'y a pas le pass sanitaire. C'est déjà ça. Voilà. Ma bonne journée. Voilà. Je vais essayer, mais au pire. Je reviens de brocante. Non, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Je viens de me mettre de côté. Allez. Là, on tente le tout pour le tout. On va avoir un Draco Feu Shiny. Là, je vais faire le David Lafarge. Un signe, vous avez vu, Pokémon. La carte elle vaut dans les 600 euros. J'espère que c'est une vraie. Hein. Putain, si je paye 100 balles et que c'est une fausse, là je me coupe les couilles. Hein. Je mets TikTok, je me coupe les couilles en direct. Là. C'était là-bas. Oh, je coupe. Hein. Putain, pour 100 balles. Putain, c'est la première fois que j'ai dépensé 100 balles pour une putain de carte. J'ai regardé avant, hein. J'ai bien regardé avant. C'était plus loin. C'était la tente bleue, je crois. C'est pas ici. C'est la tente bleue, je crois. Le mec, il allait acheter donc. Il est là-bas, il arrive. Je vais essayer de négocier, on va voir ce qu'il va dire. Est-ce que vous pouvez me baisser de 10 euros ? Non. Non ? Bon, j'aurais tenté, je voulais essayer de négocier. Voilà, les 100 euros. Avec la boîte et la bouche. D'accord, regarde. J'ai compris que vous faisiez pas de mauvaises affaires, et tant mieux. Oui, bien sûr. Je vais juste regarder, bien sûr, avant. Allez. Bien sûr, que ça soit bien. Parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont vendu des cartes la semaine dernière, des post cartes Pokémon. Ah bon ? Ouais. Comme j'y connaissais pas grand chose. Non, celle-là, c'est une vraie de vraie. Ouais, là, je vois, il m'a dit, il y a un des gamins qui m'a dit qu'il y avait marqué PH si c'était des fausses, c'était PV si c'était des vraies. En fait, HP, voilà. HP, c'est pas des fausses, c'est juste des anglais. Voilà, ça. Et là, c'est une française, ouais. Je regarde bien si c'est bien vrai, mais ouais, d'après moi, c'est une vraie. Et elle est à un score de qualité de 9,5 sur 10, c'est ça ? Super.
Ok, bon, c'est bon. Bon, j'aurais tenté de négocier, mais bon, ça n'a pas marché. Tant pis. Ok, bah super, la boîte en plus c'est parfait. J'ai bien protégé, je sais pas où la mettre, je vais mettre là. Je sais pas où la mettre. Bon, j'ai la calée là, ça n'a pas trop bougé. Super, bah merci beaucoup. Hein. Bonne journée, au revoir. Et voilà. Pardon. Pardon. Et voilà. À la base, je voulais juste prendre une photo et. Et là, c'est bon. Waouh. Waouh. Moi, c'est une vraie. Là, c'est une vraie. C'est une vraie de vraie. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Bah, je le montrerai tout à l'heure parce que là, comme on est dehors, si tu m'as pu voir. Là, c'est une vraie de vraie. Waouh, 100 balles. Ouf. Waouh. Un dracofeu shiny. En brocante. C'est vide grenier live. Il est, je sais plus quelle heure, il doit être 9h. J'ai un dracofeu shiny. Ça y est. C'est officiel. Bah, je pense que j'ai posé sur le banc, là, là-bas où j'étais tout à l'heure. Bon, je fais un petit tour quand même pour. Non, je pense que je vais me poser maintenant sur le banc. Non. Ah, vous venez visiter quelqu'un. Et voilà. Ouais. Les gars, les filles, les gars. C'est officiel, j'ai un dracofeu shiny. Alors là, je sais pas si. Ben, je pense pas que ma pote là, elle est en train de regarder le live. Parce que là, elle est hospitalisée. Elle m'a dit qu'elle de temps en temps elle regarderait. Bon, je pense pas qu'elle regarde là, parce que sinon elle aurait réagi. Waouh! 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 Oh là là, ça c'est du lourd. C'est du très 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 lourd. Je l'envoie à PCA, le truc. Ah bah tiens, je trouve un centime. Hop! La chance qui arrive. Comme quoi ça sert à rien de faire 36 000 fois le tour. Wow. De toute façon, ils ont compris qu'on était dans un vide-grenier. Hein. Elle l'aurait mis à 600 euros dans un vide-grenier, la personne, je pense qu'elle l'aurait jamais vendu. Les mecs, ils seraient restés toutes les journées à côté. Pouf. Bon, le gamin, il a fait une bonne affaire, ça c'est sûr, mais pas autant que moi. Waouh. Ah bah, on va se poser là. Là, on est à l'abri de la garde en plus. Ça, c'est un terrain de tennis. Ah, il y en a deux. Ah. Waouh. Waouh, que dire. Que dire, les gars, là. Là, c'est le triomphe. Là, c'est Neuilly, c'est The Brocante of the World of the Brocante de la mort qui tue. Waouh. Là, mes amis. Ça tient comme ça. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Bon bah, je crois que ça va être la fin du vide grenier live à bientôt là. Parce que j'ai plus que 20% de batterie. Et si le téléphone se coupe, ben j'aurais plus de. Je pourrais plus récupérer la vidéo. Attention. Et voilà. Voilà ce que j'ai eu. Un magnifique dracofeu shiny VMAX. Il est shiny.
Et oui, un vrai. Il est sous sleeve. Je fais attention. J'ose même pas la toucher parce que si le gamin déjà, eux ils me disent qu'il y a un PCA de 9,5. Waouh, à la base, je voulais juste faire une photo. Et je me dis non, 100 euros. Ça, j'attends encore même quelques années. Waouh, c'est bon. Je l'ai. Dacofeu G-Max. Dacofeu V-Max. Shiny. Waouh, c'est ma pote qui va être. Alors, soit je la revends. Comme ça, on va pouvoir s'acheter plein de cartes Pokémon pour mon ami. Ou soit bah, je lui donne. Si ça peut lui faire plaisir, hein, au pire du pire. Waouh. On l'a eu. J'ai quel niveau de quoi? Je sais que c'est l'une des cartes les plus recherchées de chez Pokémon. Attendez, hop. Attention, attendez. J'ai peut-être débranché mon câble téléphone, non? Ah oui, c'est parce que j'ai débranché. Waouh. Les amis, c'est de la folie. Attendez, je regarde si c'est bien branché mon téléphone, ça risque de couper un peu. Et je pense que ma batterie externe elle doit être à plat là. Hop, voyez. Batterie externe. Je pense que j'ai plus de batterie sur la batterie externe. Il faut dire que j'ai fait combien d'heures je fais le live du grenier.